Dans le cadre de la série La pureté des âmes, l'association VSMF, Valeurs et spiritualité musulmane de France, a le plaisir de vous présenter la 8e capsule sur la solidarité. At-tadamun. عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله وأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله. D'après سيدنا أنس بن مالك que Dieu l'agré, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: toutes les créatures sont à la charge de Dieu, et les créatures les plus aimées de lui sont celles qui sont les plus utiles pour les êtres à sa charge. أحسن إلى الناس تستعب قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه وكن على الدهر معونا لذي آمال يرجون ذاك فإن الحر معوان من كان للخير مناعا فلن على الحقيقة خلان وأخدان أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إن كان. Le contexte actuel nous met sur un même pied d'égalité. Il nous place devant une réalité commune et nous met face à un défi commun. C'est pour cela que nous devons faire preuve de solidarité, car aider l'autre revient à s'aider soi-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle à ce sujet qu'Allah assiste son serviteur tant que ce dernier est au service de son frère. Parmi les formes de solidarité, on trouve l'aide des personnes vulnérables telles que les pauvres, les nécessiteux, les personnes ayant des besoins spéciaux, les personnes âgées et les malades. La contribution à la réduction des dégâts de catastrophes tels que les tremblements de terre, les inondations, les incendies, les guerres et les épidémies. L'implication dans des actions diverses, tels que la distribution de médicaments et de produits alimentaires aux nécessiteux, le soutien moral des personnes dans le besoin, contribuer aussi à l'enseignement à distance, répandre l'espoir et être source d'optimisme. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.